السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، il y a certes parmi les grandes sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala le fait d'avoir préféré et élevé certains moments, certains jours et certains mois au-dessus d'autres. Il nous dit dans son noble livre « Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar » dans Surat al-Qasas, selon les sens de ce verset, la traduction des sens de ce verset, et ton Seigneur choisit ce qu'il veut. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'élever Mecca au-dessus de l'ensemble des autres villes. Il a décidé d'élever le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de l'ensemble des hommes et des prophètes. Il a décidé d'élever les nuits de Ramadan au-dessus de toutes les autres nuits, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah au-dessus des autres jours. Ben sachez que la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde envers ses serviteurs ont fait qu'il a spécifié 4 mois dans lesquels on a intensifié l'interdiction de se causer du tort, l'interdiction de et l'injustice. Et ces 4 mois sont appelés al-ashhurul hurum, les mois sacrés. Al-ashhurul hurum. Et fait partie de la considération des préceptes d'Allah, fait partie du fait de prendre soin de sa religion, de l'apprentissage, que de se cultiver, que d'étudier les règles relatives à ces mois sacrés. Tout cela fait partie de la valorisation et de la considération des préceptes d'Allah. Dans Sourate al-Hajj, il nous dit tabaraka wa ta'ala ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Et ce comportement, Allah nous dit, sur la traduction des sens du verset, que ça fait partie de la piété des cœurs. Le fait d'immensifier les emblèmes d'Allah Azza wa Jal et ses préceptes, na'am, sa législation apparente, tout cela fait partie de la piété des cœurs. Et dans un autre verset de Surat al-Hajj, juste avant, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Ceci est meilleur auprès de son Seigneur. Dans l'autre verset, cela fait partie de la piété des cœurs. Et sachez que depuis quelques jours, nous venons d'entrer dans un de ces 4 mois, dans l'un de ces 4 mois sacrés. Shahrullah al-Muharram. Le mois de Muharram. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate At-Tawbah,
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. Certes, ou dans Surat al-Tawbah, certes, le nombre de mois chez Allah est de 12 dans le livre d'Allah, le jour où il a créé les cieux et la terre. Parmi ceux-là, 4 sont sacrés. Voici la religion droite. Ne vous causez donc point de tort. Dans ce verset, on nous enseigne que le nombre de mois qui ont été décrétés sont au nombre de 12 et que parmi ces 12 mois, il y en a 4 qui sont sacrés et dans lesquels on a intensifié l'interdiction de l'injustice à notre propre égard et l'injustice de manière générale. Et dans le plus grand rassemblement des musulmans, fi hajjatil wada', dans le pèlerinage d'adieu, le prophète alayhi salat wa salam a exhorté à ce sujet. Et parmi ce qu'il a dit alayhi salat wa salam, il a mentionné les mois et a dit arba'atun hurum, parmi ces mois-là, il y en a 4 qui sont sacrés. Rajab, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja et Al-Muharram. 3 se succèdent, sont les uns après les autres, et un à part. Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, Al-Muharram. Et il y a avant cela, Rajab. Et que signifie « Fala tadlimu fihinna anfusakum » Ne vous causez pas durant cela du tort. Ne faites pas d'injustice à votre propre égard. Le grand Mufassir Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, nous dit « Fala ta'asullaha fiha » C'est-à-dire, ne désobéissez pas à Allah durant ces mois. « Wala tahillu fihinna ma harrama Allahu alaykum » Et ne rendez pas licite ce qu'Allah vous a proscrit. « Fataksibu anfusakum » ما لا قبل لها به من سخط الله وعقابه car sinon vous aurez affaire à ce que vous ne pourrez pas supporter le courroux d'Allah et sa punition. Puis les exégètes du Coran ont divergé à quoi reviennent les pronoms dans fihin, ne vous causez donc pas de tort à votre propre détriment durant cela. Cela, ça revient à quoi? Certains ont dit ça revient aux 12 mois. Durant les 12 mois, ne vous causez pas de tort. Adorez Allah, ne lui désobéissez pas. Et d'autres ont dit durant les 4 mois sacrés. Durant les 12 mois, vous ne devez pas désobéir Allah, mais particulièrement durant ces mois sacrés. Et sachez que même dans la Jahiliyyah, la période anté-islamique, dans les mois sacrés, ils s'interdisaient le combat, même la vengeance face aux meurtriers de leurs propres parents, leurs propres pères. Et des savants méditaient sur le placement de ces mois sacrés. Et ils ont dit qu'on a mis cette posture ou dans le calendrier, on les a placés à cet endroit pour la préparation des rites du Hajj. Dhul-Qa'da, les gens voyageaient pour le Hajj, étaient en voyage pour arriver à Mecca. Dhul-Hijja, ils étaient dans les rites du Hajj. Et le Muharram, ils étaient sur le retour. Ils étaient sur le retour. Et dans la Jahiliya, comme je le disais tantôt, il considérait et valorisait la sacralité de ces mois. Parmi les spécificités, les grands mérites du mois de Al-Muharram, le fait que le prophète alayhi salatu wassalam l'ait annexé à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Et
On a donc appelé le mois de Muharram Shahrullah, le mois d'Allah. Shahrullah il-Muharram, le mois d'Allah. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala nous dit: وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله إضافته إلى الله عز وجل وإضافته إلى الله عز وجل تدل على شرفه وفضله فإن الله تعالى يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته. ابن رجب رحمه الله تعالى ندي et le prophète عليه الصلاة والسلام a nommé le mois de Muharram le mois d'Allah. Il l'a annexé à Allah. Et cette annexion nous indique sa noblesse et son mérite. Car certes, Allah n'annexe pas parmi ses créatures à lui, si ce n'est une créature qui est des plus particulières, qui est des plus spécifiques. Comme Nabiullah, Abdullah, Naqatullah, la chamelle d'Allah. D'entre toutes les chamelles du monde, pourquoi celle-ci l'annexait particulièrement à Allah? Allah est le créateur de toutes les chamelles. Car c'est la chamelle du prophète Saleh, le miracle d'Allah Azza wa Jal. Baytullah, la demeure d'Allah. Et ainsi de suite. Parmi les spécificités de ce mois, el-Muharram, c'est que certains parmi les pieux prédécesseurs avaient comme avis que c'est le meilleur des mois sacrés. Et ceci était l'avis de l'Hassan al-Basri, rahimahullahu ta'ala. En se basant sur le hadith de Abu Dharr, سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل خير أي الليل خير أبو ذر رضي الله عنه interrogé le prophète عليه الصلاة والسلام quelle partie de la nuit est la meilleure. Il a répondu ou avança وأي شهر أفضل et quel est le meilleur des mois. فقال خير الليل جوفه وأفضل الأشهر شهر الله الذين تدعونه المحرم الذي تدعونه المحرم رواه النسائي في الكبرى وغيره. Abu Dharr nous dit qu'il a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam sur la meilleure partie de la nuit et le meilleur mois. Il lui répondit: la meilleure partie de la nuit est son milieu ou sa partie la plus sombre. Et le meilleur des mois est le mois que vous appelez Al-Muharram, que vous nommez Al-Muharram. Et comment unir entre cela et le mois de Ramadan, qui, comme nous le savons tous, est le meilleur mois de l'année? Certains savants disent, c'est le meilleur mois, c'est-à-dire après le mois de Ramadan. C'est-à-dire après le mois de Ramadan. Parmi les mérites et les spécificités du mois d'Allah al-Muharram, son jeûne et la recommandation durant celui-ci du jeûne. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Afdalu siyami ba'da ramadhan, shahrullah al-Muharram » Le meilleur jeûne après le mois de Ramadan, c'est le mois d'Allah, Al-Muharram. Wa afdalu salati ba'da al-fariḍa, salatul layl. Et la meilleure part prière après la prière obligatoire est la prière de nuit. Donc, le mois de Al-Muharram est un mois de jeûne, un mois durant lequel le jeûne est recommandé et particulièrement méritoire. Plus particulièrement, le jeûne du jour de Ashura, le jeûne du 10e jour du mois de Ashura. Le 10e jour du mois de Muharram est un jour durant lequel le prophète alayhi salatu wassalam encourage au jeûne.
Car c'est le jour durant lequel Allah a sauvé Moussa alayhi salam et ses suiveurs et a anéanti Pharaon et ses suiveurs. Moussa alayhi salam a donc jeûné à titre de reconnaissance envers son Seigneur dispenseur de ses grâces. Et le prophète alayhi salat wa salam arrivé à Médine, l'a également jeûné des suites de cela. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل وعلى فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فأمر بصيامه وفي رواية لمسلم فصامه موسى شكرا ونحن نصومه. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé que certains parmi les gens du livre jeûnaient, et les juifs jeûnaient un jour particulier. C'était le jour de Ashura, le 10e jour du mois de Al-Muharram. Et lorsqu'ils furent interrogés sur la sagesse de ce jeûne, ils répondirent: ceci est le jour durant lequel Allah a donné la suprématie à Moussa, la victoire à Moussa et les fils d'Israël sur Pharaon. Nous le jeûnons donc pour donner grande valeur à ce jour. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: nous sommes plus en droit de nous réclamer de Moussa que vous. Il a donc jeûné et a ordonné aux musulmans de jeûner ce jour. Et dans l'autre version, ou bien chez l'imam Muslim, Moussa alayhi salam a donc jeûné ce jour par reconnaissance envers Allah, nous le jeûnons alors. On voit ici la sagesse du jeûne du jour de Ashura. C'est la reconnaissance face à une grande délivrance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à son grand prophète et messager, Moussa alayhi salam. Et face au bienfait d'Allah, l'obligation est la reconnaissance. Ce que fit Moussa, alayhi salam, et ses suiveurs réellement. Le prophète, alayhi salat wa salam, dit: nous sommes plus en droit de nous réclamer de Moussa. Pourquoi? Parce que Moussa était musulman, il était sur l'islam. Il était soumis à son Seigneur, il l'adorait seul d'un culte sincère. Ainsi, les prophètes sont tous des frères. Leur croyance est la même, mais leur législation peut être différente. Abdullah ibn Abbas nous dit: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم, يعني عاشوراء. Abdullah ibn Abbas nous dit: je n'ai pas vu le prophète alayhi salat wa salam faire attention au mérite d'un jour, du jeûne d'un jour, comme il le faisait pour ce jour-là, le jour de Ashura. Et pareillement pour un mois, pour le mois de Ramadan. Il veillait à ne pas manquer ce mérite et son jeûne. Et sachez que le jeûne de Ashura, dans l'histoire, est venu dans quatre étapes. La première, c'est dans la jahiliya. Quraysh le jeûnait, le prophète alayhi salatu wassalam l'a également jeûné. La seconde étape, quand le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine,
et qu'il a trouvé que Banu Israël jeûnait, qu'il a trouvé que les Juifs jeûnaient le jour de Ashura, il a donc jeûné, car il est plus en droit de se réclamer de Moussa vu que il est sur sa croyance. Naam. Et a ordonné aux musulmans de le jeûner. Le jeûne de Ashura était donc obligatoire. Salamat ibn al-Aqwa, radiallahu anhu, nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à un homme de faire l'adhan et d'appeler les gens et de leur dire: celui qui aujourd'hui a mangé, qu'il poursuive le reste de sa journée en jeûnant. Et celui qui n'a rien mangé, qu'il jeûne. Car aujourd'hui c'est Ashura, rapporté par le Bukhari Muslim. Rapporté par le Bukhari Muslim. Ça, c'était après l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam à Al-Madinah, avant l'an 2 de l'Hégire. Avant l'an 2 de l'Hégire. Puis, la troisième étape, le jeûne de Ashura a été, l'obligation du jeûne de Ashura a été abrogée. Et c'est devenu recommandé. Celui qui le souhaite peut le jeûner. Et celui qui le souhaite peut ne pas le jeûner, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Le point suivant, le mérite du jeûne du jour de Ashura. Quel est le mérite de jeûner ce simple jour de Ashura, le dixième jour du mois de Muharram, qui avance, ou vers lequel on avance, Inch'Allah Ta'ala, et dans lequel on se retrouvera très prochainement, Inch'Allah Ta'ala. Nous devons être le sixième jour, taqriban, à peu près le sixième jour du mois de Ashura. Il reste très peu de temps avant sa venue, Inch'Allah. Quel est le mérite de jeûner le jour de Ashura? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé an sawmi yawmi Ashura. Abu Qatada radiallahu anhu nous dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet du jour de Ashura, du jeûne de Ashura. Faqal yukaffiru sanata al-madiya. Rawahu Muslim. Il répondit: il expie les péchés de l'année passée. C'est-à-dire les petits péchés. Quant aux grands, ils nécessitent, leur expiation nécessite et requiert un repentir sincère, à savoir cesser le péché en le regrettant, puis avoir la ferme intention de ne plus le recommencer. Celui qui fait ça sincèrement, avant d'arriver à l'agonie, avant que le soleil ne se lève de l'autre côté et que la porte du repentir se referme, il aura fait un repentir sincère. Et ce repentir sincère ne laisse aucun péché face à lui. Donc voici la grande récompense. La dernière étape qu'on peut ajouter, c'est que, donc on a dit lorsque le mois de Ramadan est devenu obligatoire, en l'an 2 de l'Hégire, on a abroger l'obligation de jeûne de Ashura et c'est resté recommandé. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit la dernière année: la in baqitu ila qabil, si je suis vivant l'année prochaine, la asumanna ma'ahu at-tasi'a, je jeûnerai avec le dixième jour le neuvième. Je jeûnerai avec le dixième jour
le neuvième. Et ceci afin de se distinguer dans son jeûne du jeûne des gens du livre. Donc, il y a plusieurs manières de jeûner le jour de Ashura. Il y a plusieurs manières de jeûner le jour de Ashura à la recherche de cette grande récompense. La première manière de jeûner le jour de Ashura, c'est de jeûner simplement le dixième jour. C'est de jeûner simplement le dixième jour. La deuxième manière de jeûner le jour de Ashura, c'est le fait de jeûner le neuvième et le dixième jour. Tasu'a et Ashura. Car Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit que lorsque le prophète alayhi salat wa salam l'a jeûné et ordonna son jeûne, les gens lui ont fait la remarque que c'était un jour qui était émancipé par les gens du livre, qui était vénéré par les gens du livre. Le prophète alayhi salat wa salam a donc dit فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْشَاءَ اللَّهِ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ. Il a dit l'année prochaine venue, si Allah le veut, on jeûnera le neuvième jour avec. Cependant, l'année suivante n'arriva pas, si ce n'est après que le prophète alayhi salat wa salam soit décédé. Ainsi, les imams de l'islam comme Shafi'i, Ahmed et d'autres, rahimahumullah, nous disent qu'il est recommandé de jeûner le neuvième et le dixième jour ensemble. Car le prophète alayhi salat wa salam avait mis l'intention de jeûner également le neuvième jour. Et dans Sahih Muslim également, selon Abdullah ibn Abbas, la in baqitu ila qabil la sumanna tasi'a. Si je suis là l'année prochaine, je jeûnerai le neuvième jour. Quant aux sagesses de jeûner le neuvième jour, les savants en ont mentionné plusieurs. L'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala dit c'est pour se distinguer des gens du livre, premièrement. Deuxièmement, c'est pour ne pas jeûner le jour de Ashura seul, tout comme on ne jeûne pas le jour du vendredi seul. Naam. Et une troisième sagesse qui est mentionnée par certains, c'est ihtiyatan, c'est par précaution. C'est par précaution, c'est-à-dire même si le mois, on s'est trompé dans son entrée ou dans la sortie du précédent, ben en jeûnant le 9 et le 10, on est sûr d'avoir jeûné Ashura. On est sûr d'avoir jeûné Ashura. Et l'avis le plus fort est, comme l'a dit le prophète alayhi salat wa sallam plus explicitement, des suites de sa parole, on comprend que, sans aucun doute, pour se distinguer dans son jeûne de l'adoration des gens du livre, de la ressemblance avec les gens du livre. Et c'est l'avis également qui a été choisi par Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala également. Revenons aux différentes manières de jeûner le jour de Ashura. Donc Ibn Al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, a mentionné cela dans son livre Zadul Ma'ad. Le premier niveau, le fait de jeûner Ashura seul. Le deuxième niveau, le fait de jeûner Tasu'a et Ashura, le neuvième et le dixième jour. Le troisième niveau, c'est le fait
de jeûner 3 jours. C'est le fait de jeûner 3 jours. C'est-à-dire un jour avant Ashura Tasua et un jour après, c'est-à-dire le 11e jour du mois de Muharram. Non. Après avoir mentionné ces points positifs, sachez que certains groupes égarés et certaines voix dissidentes ont décidé de s'éloigner de la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Ont décidé de faire scission d'avec la tradition du meilleur des prophètes et des messagers, alayhi salatu wassalam. Il s'agit de sectes qui ont pris le jour de Ashura pour jour de tristesse. Pour jour de tristesse. Pour jour de corruption. Certaines personnes font des plats spécifiques. Certaines personnes mettent des vêtements spécifiques. D'autres font un Eid, une fête, et élargissent dans les dépenses. D'autres font des prières particulières ou des sacrifices spécifiques. Certains même considèrent que c'est meilleur de sortir la viande sacrifiée à ce moment-là ou de sacrifier à ce moment-là pour garder de la viande. Et encore d'autres embellissements, lavages et spécificités au sujet desquels Allah Azzawajal n'a fait descendre aucun pouvoir, aucune science. Ainsi, le shaitan les a poussés à travers un jour louable à s'égarer. Et au lieu de prendre le jour de Ashura, un jour d'adoration, copiant le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont décidé de l'utiliser pour transgresser et fauter. Et parmi les pires d'entre eux, il y a Rawafid, qui est une voie extérieure à la voie de l'islam, qui est un chemin loin du tawhid et de la sunna. Ils ont pris ce jour en jour de chant, de tristesse, de compte, et il mentionne les troubles qu'il y a eu dans les temps anciens, après l'époque des compagnons, ou à l'époque de la fin des compagnons. Naam. Il mentionne l'assassinat de l'Hussein radiallahu anhu pour attiser l'émotion des gens et ainsi réussir à véhiculer des croyances corrompues et des idées erronées. Ainsi, le jour de Ashura, ils se flagellent, ils crient, ils pleurent, ils extériorisent grande tristesse. Ils récitent des chants, ils s'ouvrent avec des lames la tête, et commettent d'innombrables égarements. Tout cela pour se commémorer ou se remémorer l'assassinat de El-Hussein. El-Hussein est très loin d'eux et n'a rien à voir avec eux. Et de rechercher la tristesse et les lamentations ne fait pas partie de la myriade d'adorations légiférées et de la myriade de servitudes, à travers lesquelles on se rapproche de notre divinité, Tabaraka wa Ta'ala.
mais c'est plutôt une voie innovée et erronée qui ne rapproche pas d'Allah Azzawajal, mais plutôt en éloigne. Mais plutôt en éloigne. Parmi les questions récurrentes relatives au jeûne du jour de Ashura, est-ce qu'on peut jeûner que le dixième jour, que le jour de Ashura, sans le faire précéder d'un jour, ni le faire suivre d'un autre? Al-Lajnatu Da'ima lil-Buhuth al-Ilmiyya wal-Ifta a répondu à cette question en disant Yajuzu sawmu Ashura yawman wahidan faqat. لكن الأفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده وهي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع قال ابن عباس يعني مع العاشر. La réponse, il est permis de jeûner le dixième jour seul. Cependant, le meilleur reste de jeûner avec le dixième jour un jour avant ou un jour après. C'est une tradition avérée, affirmée du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit « Si je reste vivant, l'année prochaine, je jeûnerai le neuvième jour. » Ibn Abbas a dit, c'est-à-dire avec le dixième jour. Aussi, concernant l'intention. Pour un jour spécifique, ça n'est pas comme un jeûne, comme le jour d'un jeûne, comme le jeûne d'un jour quelconque. Quand vous jeûnez un jour spécifique, ça n'est pas comme le jeûne d'un jour quelconque. Dans un jour quelconque, la condition de ne pas avoir commis un alliatif du jeûne. C'est-à-dire, il est 10 heures du matin, tu te dis, pourquoi pas jeûner aujourd'hui, je veux me rapprocher d'Allah Azza wa Jal, j'ai encore rien mangé, ou j'ai des facilités aujourd'hui, ou le climat est, ou bien je n'ai pas à manger, et ainsi de suite. Il peut commencer son jeûne jusqu'au Maghrib, et le poursuivre jusqu'au Maghrib, il a la récompense de ce jour-là, selon ce qu'il a jeûné. Mais lorsqu'il s'agit d'un jour comme le jeûne jour de Arafah, ou le jeûne jour de Ashura, et ainsi de suite, un jour spécifique, il faut mettre l'intention pour que ton jeûne soit du Fajr au Maghrib, et pour que la récompense soit complète selon ce qui a été mentionné et annoncé comme bonne nouvelle par le prophète alayhi salatu wassalam. Quant à l'intention de manière générale, inna mal a'malu bin niyat, c'est une obligation, plutôt même une condition pour l'ensemble des adorations. Donc, on n'oublie pas de mettre l'intention avant le Fajr. Naam, avant le Fajr. Donc, certains savants diront, même si tu n'as pas mis l'intention avant le Fajr, tu t'aperçois que c'est le jour de Ashura, jeûne-le, mets l'intention. Cependant, la meilleure récompense est pour celui qui a mis l'intention avant. Celui qui a mis l'intention avant. Quelle est la preuve qu'on peut commencer un jeûne après le Fajr? Et la preuve est que le prophète alayhi salatu wassalam a dit un jour à la mère des croyants Aïcha radiallahu anha, Ya Aïcha, hal indakum shay? Ou Aïcha, avez-vous quelque chose, c'est-à-dire à manger? Qultu ya Rasulallah ma indana shay. Elle a dit au messager d'Allah, nous n'avons rien. Allahu Akbar. Qu'est-ce qui répond ça? À qui? Le meilleur des hommes. Le meilleur des hommes, il demande à son épouse, est-ce qu'il y a à manger? Elle lui répond, nous n'avons rien. Elle n'a rien à poser. Une des meilleures des femmes au monde, qui est l'épouse du meilleur des hommes au monde, qui prend tellement soin de son époux, qu'elle rattrape ses jours de Ramadan, que quelques jours avant, l'entrée de Ramadan de l'année suivante, dans le mois de Sha'ban. Cette femme au service de son époux dit, nous n'avons rien. En d'autres termes, s'il y avait le minimum possible à poser, elle l'aurait posé.
Mais elle dit, ma indana shay. Qu'a dit le prophète alayhi salat wa salam? Ça n'est pas une négligence de sa part, mais une incapacité. Comment est-ce qu'il a géré ce souci? Fa'inni idhan sa'im. Il a dit alors je jeûne. Il a dit alors je jeûne. Alors je jeûne, Ibn Athim rahimahullah ta'ala a dit, ça prouve qu'il a mis son intention à ce moment dans la journée. Cela démontre donc la permission de mettre l'intention pour un jeûne recommandé, un jeûne non obligatoire, dans la journée. Mais est-ce qu'il a la récompense complète ou incomplète? Il y a deux avis chez les savants. Certains ont dit, on lui donne l'intention, on lui donne la récompense qu'à partir du moment où il a mis l'intention. Et ceci est l'avis prépondérant. Car, innamal a'mal ou binniyat. Le deuxième avis est de dire qu'il a la récompense du jour. Autre question qui a été posée à l'Echnatud Da'ima, celui qui veut rattraper des jours de Ramadan. Celui qui veut rattraper des jours de Ramadan. Est-ce qu'il peut mettre l'intention de jeûner Tasu'a et Ashura, ces deux jours recommandés, et il rattrape Ramadan avec l'intention donc de rattraper Ramadan ou pas? Al-Lajnatu Da'ima a répondu, il ne jeûne pas en mettant l'intention d'un jeûne recommandé alors qu'il a et souhaite rattraper des jours de Ramadan, donc obligatoires. Il jeûne ces jours obligatoires, puis vient le jour de Ashura, Tasu'a Ashura, il le jeûne avec l'intention de An-Nafila. Et s'il souhaite rattraper ces jours de Ramadan en mettant cette intention-là, il peut rattraper quand il veut, même le 9e et le 10e jour du mois de Muharram. Non. Nous arrêtons sur cela. Et Inch'Allah Ta'ala, dans une allocution ultérieure, Inch'Allah Ta'ala, on racontera l'histoire de Moussa, Nabiullah, wa Rasuluhu wa Kalimuh, Ahadu ulil Azmi wa Rusul, et yani avec Fir'aun. Et comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait apparaître les effets de son nom Al-Latif, Al-Aziz Al-Rahim, Al-Hakim Al-Alim, Tabaraka wa ta'ala. Et cela très prochainement, cela sera annoncé, Bi'idhnillahi Azza wa Jal. On s'encourage donc mutuellement à craindre Allah tabaraka wa ta'ala et à jeûner dans le mois de Muharram, particulièrement le 9e jour de Dhul de Shahrullah al-Muharram et le 10e jour, espérant la grande récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, entre autres l'expiation des péchés de l'année passée. Il ne vous aura pas échappé que le mois de Muharram est le premier mois de l'année. Donc lorsqu'on te dit les péchés de l'année passée, c'est-à-dire une année de péché passée après avoir passé cette année, tu es vivant dans le nouveau mois de l'année, Allah Azza wa Jal t'efface tout ce qui est passé avant, comme on l'a dit, les petits péchés. Naam. Et le dernier point, c'est le moment de la hijra du prophète alayhi salatu wa salam. Et le Mada mentionnera comment est-ce que le calendrier musulman a été établi avec l'orientation de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu pour le choix de cette date. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lana dhunubana
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضى مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، إنك على كل شيء قدير وأرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.